Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir au nom de la Bibliothèque publique d'information pour cette nouvelle nuit de la lecture, nuit de la lecture dans des circonstances assez extraordinaires puisque déjà ce n'est pas la nuit et que nous ne pouvons vous accueillir à la bibliothèque, mais on est néanmoins très heureux de garder ce lien avec vous et on est surtout très heureux de pouvoir accueillir Guénaël Boutouillet, critique, qui va nous faire une présentation d'une sélection d'ouvrages de la rentrée littéraire. Et Guénaël est également le conseiller scientifique du festival Effraction, le festival de littérature contemporaine qui est porté par la Bibliothèque publique d'information et qui se déroulera du 25 février au 1er mars. Et ça me donne comme ça l'occasion de passer la parole et de remercier encore une fois Guénaël d'avoir accepté notre invitation. Voilà, très bonne écoute à tous. Merci. Merci Caroline, bonjour à toutes et à tous et merci à la BPI de m'avoir proposé ce petit temps d'antenne puisque ces présentations très souvent je les fais de visu, donc c'est super de pouvoir en parler quand même de cette rentrée qui m'affaire et qui m'enthousiasme depuis quelques semaines. On y a travaillé, comme Caroline le mentionnait, ensemble avec le comité de lecture du festival Effraction sur les rentrées de septembre puis de janvier. Ce ne sera pas le seul onglet de cette présentation qui ne prétend ni à l'exhaustivité puisque je vais vous parler d'une quinzaine de titres sur quelques centaines qui sortent entre janvier et février, mais à une forme de qualité, je l'espère, et de diversité. Et évidemment, c'est subjectif tout ça. Il y aura des rapports à Effraction, je ne vous dis pas lesquels, peut-être le signalerai-je en cours de route, mais ce n'est encore une fois pas le seul onglet. Effraction, c'est donc la littérature et le réel, pour item principal, avec tout ce que ça suppose de possibilités et de frottements. Je vais commencer ainsi par vous lire quelques lignes d'un livre. Je ne lis pas. Je ne sais pas lire, pas correctement, et je n'ai pas envie de savoir, jamais. Mon père lisait trop, voyait trop de choses dans les mots, et en disait des tas de mots, comme si le fait de les dire les rendait vrais. Et si plus on en disait, plus on en lisait, plus on faisait germer la vérité dans le monde. Quand j'étais petite, la seule chose qui me paraissait réellement vraie était le feu qu'on faisait devant la ferme, en haut du premier champ où il y avait des gros cailloux, des pneus et des caisses pour savoir s'asseoir dessus le soir pendant la flambée. Je me demandais toujours où allait tout ce qu'on jetait dans le feu. On pouvait prendre une bonne grosse bûche qu'on mettait des heures à débiter, couper, scier, fendre, et que les hommes avaient traîné, puis empilé à la sueur de leur front, et elle disparaissait. Elle brûlait jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Le matin, le grand enchevêtrement de branches et de bûches autour duquel on s'était mis n'était plus qu'un tas gris de cendres douces, et je me demandais où tout était passé. Il répandait les cendres sur les lits de fraisiers, car c'est bon pour les fleurs et les fruits. Où allaient les gros morceaux de bois, je me le suis toujours demandé. Tout finit par brûler et disparaître. Tout se transforme en feu puis en cendres, et peut-être qu'en répandant celle-ci, les fraises pousseront mieux. Il vaut mieux brûler ce qu'on ne peut pas laisser derrière soi. Ceci était un extrait de l'épilogue. Alors j'aurais pu vous lire un bout du prologue de Analphabet de Mick Kitson, qui n'est pas, comme le titre pourrait l'indiquer, un roman social, mais qui est une enquête. Celle qui parle, c'est Marie. Marie, c'est sa vie qui nous est retracée partiellement au gré d'une constellation de personnages dont certains la recherchent et d'autres, elle les rencontre. Il se trouve que Marie est analphabète, donc, et qu'elle construit autrement son rapport au monde. Il se trouve que si c'est une héroïne, c'est pas du tout une héroïne sympathique. C'est une arnaqueuse. Et ça aurait été aussi un des passages que j'aurais pu vous lire, la façon dont elle explique comment elle arnaque, comme dans les grands classiques du roman noir, Jim Thompson par exemple. Et c'est un assez court roman basé sur une enquête. On reconstitue comme un puzzle le passé et la piste récente de Marie et les traces qu'elle laisse derrière elle, qui sont en petit nombre, puisque évidemment elle n'a pas d'existence non plus sociale.
puisqu'elle est née non pas sous X, mais elle n'a pas été déclarée à l'état civil. Un alphabète, c'est donc un roman d'enquête, et je ne saurais dire si c'est un roman policier. J'ai dit que ce n'était pas un roman social, et en même temps, ça décrit bien cette Écosse d'où est issu Mick Kitson, l'auteur de ce livre, paru chez Métayé, donc, qui ont une belle collection écossaise. Et ça me semblait une belle manière d'entamer ce moment. Que cette prise de parole, c'est-à-dire que sans avoir a priori les mots, pour autant, Marie, elle dit « je », et c'est ce « je » qui, aussi fantomatique soit-il, puisqu'on lui court après, constitue le trajet de ce livre. Et puis, l'enquête, je vais lire, je ne vais pas lire à chaque fois, mais je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit bout. De Richard Morgiev. Cimetière d'étoiles, ça c'est un roman noir au sens le plus pur du terme, un roman noir très noir. Ça se passe en fin 62, début 63 aux États-Unis, du côté du Nouveau-Mexique, et deux flics corrompus et pourris, Fletcher et Drake, suivent une enquête assez compliquée, enfin mènent une enquête assez compliquée, pardon. Et ils sont tous les deux assez allumés, assez illuminés, sombres, encore une fois, et mystiques. Ils entendent un peu des voix. Et voici ce qui se passe dans la tête de Fletcher. Une voix qui lui parlait, radotait, lancinante. Il ne voulait pas qu'on la classerait de dingue, qu'on le classerait de dingue. Il sentait qu'il y avait une présence en lui, c'était à la limite du supportable. Heureusement, il y avait l'enquête. L'enquête globale qui comprimait tout dans son atome à vide. L'enquête permettait d'essayer de dire ce qui ne pouvait l'être, de croire qu'on vivait. L'enquête amenait les flics où elle voulait qu'ils aillent. C'était ce que pensaient Fletcher et Drake pour mener une enquête. Il fallait se laisser aller, pas résister, suivre le mouvement. Un flic valable, c'était le gars qui n'avait pas de vie, qui ne vivait que l'enquête. En alerte, mais pas sur ses gardes. À la coule, à la brasse, dans les égouts. Et l'odeur des selles, de la haine. Un peu plus loin... Il pensait à l'enquête, à toutes les enquêtes. L'enquête se terminait toujours en queue de poisson, abruptement. Laissait toujours une impression de manque, de non-satisfaction, une impression de vide. Tu te rends compte que tu marches dans le couloir de l'enquête pour te remplir de rien. Et donc, dans Cimetière d'étoiles, où là, on est, on respecte, voire on explose les canons du genre roman noir. J'ai rarement lu un roman noir aussi noir. Richard Morgiev a la façon unique qui est la sienne, empreinte de grossièreté, de lyrisme, d'une grande poésie, nous fait cheminer avec ces deux flics aux alentours de ce qui a tout l'air d'être un complot. On pense même au camouflage de manipulation scientifique par le gouvernement américain dans ces périodes de guerre froide, et il est question de la peste, c'est un moment qu'ils inoculeraient pour voir à des cobayes. C'est dire si ce livre, qui est une parfaite fiction, résonne avec certains aspects évidemment de nos préoccupations actuelles, les craintes des épidémies, mais son propos reste justement de résoudre cette enquête dans une atmosphère ténébreuse, presque apocalyptique. Hein, ces deux flics courent à leur perte et ils ne sont pas sympathiques, eux non plus, comme l'héroïne du Mick Kitson, comme Marie. Ce qui m'a retenu, ce sont ces récurrences obsessionnelles quant à l'enquête. Ce qui tient le livre et l'enquête dans le genre policier, c'est qu'elle nous... Elle nous met, lecteur, dans une position extrêmement ambiguë et intéressante, qui est aussi excitante en fait que celle des narrateurs qui enquêtent. Et ça résonne avec pas mal des préoccupations, pour le coup, du contemporain, et notamment des fractions. Au-delà de littérature réaliste, on s'est souvent rendu compte en réfléchissant... à effraction, voire en invitant des gens, en recevant Laurent Demans, par exemple, l'année dernière, qui était venu parler avec Hélène Gaudy de ces questions-là, à quel point la position d'enquêteur est féconde et
en termes de fiction à l'heure actuelle, que la fiction littéraire elle-même met l'enquête au cœur de son dispositif, en mêlant plusieurs matériaux, souvent en nous donnant les éléments de l'enquête. Hein, je pense à, en janvier, il y a le nouveau Yvan Jablonka qui sort, hein, qui sera un des invités de Défraction, qui retrace une autobiographie à base de documents d'état civil, donc utilise sa propre position de chercheur, d'historien, pour produire une écriture de soi qui soit ainsi renouvelée, hein, par cette position d'enquêteur sur soi. Et ça me semble être un sous-tendre beaucoup du plus excitant, du plus vital de la littérature contemporaine. Ça me semble pas sans lien aussi avec l'afflux d'informations qu'est le nôtre depuis qu'Internet est là et le fait qu'on soit rapidement informé de tout. La littérature ne peut pas concurrencer ça. Pour autant, elle fabrique d'autres chemins d'accès à l'information et reflète en quelque sorte ce miroir brisé d'informations dans lequel on vit tous. Et donc la littérature d'enquête, c'est aussi celle de ce qu'on appelle la creative non-fiction, hein, avec un vilain accent anglais, tradition d'écriture américaine qui a été très bien importé en France et sur le tard par de jeunes éditeurs comme les éditions Marciali, avec Les Enfants de la Clarée, par exemple, qui sort juste ces jours-ci, de Raphaël Kraft, où là, on est sur un principe d'écriture embarquée, où le journaliste, hein, puisqu'il s'agit d'un journaliste, se fait écrivain, au sens où son journalisme se fait subjectivement. Il y a un jeu qui ne se masque pas, qui ne prétend pas à l'objectivité et qui s'implique dans le dispositif. C'est un peu ce que fait Florence Aubenas aussi, hein, dont on attend avec impatience la parution qu'on vient d'apprendre, hein, dans les semaines prochaines du prochain livre d'enquête et qui s'avère extrêmement alléchant. Je ne peux pas vous en parler parce que comme nous tous, je l'attends, ce livre. Cette position embarquée ou embédée, qui était au départ celle aussi du gonzo journalisme, hein, de Hunter Thompson. Là, on n'est pas dans le gonzo a priori, mais parce qu'on est dans des sujets plus graves qui demandent un petit peu de sérieux, mais enfin en tout cas de retenue. Hein, ça peut pas être Hunter S. Thompson qui traite ces questions de passage de migrants dans l'école alpin et qui essaye ensuite de reconstituer avec eux aussi leur passé, en allant enquêter jusqu'en Afrique pour savoir quelles sont les conditions du départ de ces candidats à la France qui sont souvent pas retenus au tirage. Et là, cette position-là me semble nécessaire à cet endroit, c'est-à-dire que je bouge mon livre, hein, je continue les essais, mais comme j'ai du mal à le porter tout en vous en voir le titre, voilà, comme ça j'ai l'air un peu guindé, mais au moins on voit cette belle graphie, parce que Marciali, qui édite ce livre dans cette récente tradition qui est la leur, hein, ils en sont à peu près 25 titres, de non-fiction littéraire, très écrite, très agréable à lire, très au-delà de la simple description des faits, font aussi de très beaux livres. Donc, Les Enfants de la Clarée de Raphaël Kraft et ce mode d'écriture embarquée, c'est aussi de reportage embarqué, c'est aussi une des façons de l'entendre, hein, cette problématique d'enquête, ce rapport-là à l'enquête, de nous relater ce qu'est une enquête à la première personne. Et puis je vais en passer par un autre. Éditeur de non-fiction remarquable, hein, les éditions du Sous-Sol, avec ce nouveau livre de Manuel Villas, dont le précédent avait marqué pas mal d'entre nous, Ordesa, qui avait obtenu des prix. Manuel Villas, lui, enquête sur qui d'autre que lui. Il a enquêté sur sa famille dans le précédent. Il continue, mais en partant vraiment lui-même. Est-ce qu'il pourrait
si on se contentait d'en faire le pitch, être une promesse d'ennui et de nombrilisme devient tout autre chose, parce que ce moi débarrassé de toute entrave, de toute autocensure aussi, et qui décide d'essayer de voir ce qui dans la désespérance, ce qui dans l'ennui, ce qui dans le passage de l'âge, fait que ça vaut quand même la peine d'essayer d'y trouver des épiphanies. Et voilà, tout simplement magnifique. Et c'est une histoire d'écriture. Alors, je vais vous en lire un tout petit passage, mais j'aurais pu prendre n'importe lequel. C'est un livre où on peut le prendre à n'importe quelle page. Là, je prends l'Incipit, mais tout ce que nous avons aimé perdu, ce que nous avons aimé énormément, que nous avons aimé sans savoir qu'un jour on nous l'enlèverait, tout ce qui, une fois perdu, n'a pas pu nous détruire, bien qu'ayant insisté en y mettant une force surnaturelle et cherché notre ruine avec cruauté et obstination, finit tôt ou tard par se changer en joie. Voilà. Ça, c'est programmatique. Hein, c'est ce qu'essaye le livre. C'est ce qu'essaye l'enquête, l'auto-enquête de Manuel Villas dans le livre. Et puis, c'est aussi exemplaire de ce que j'essayais de vous dire par rapport à ce qu'est une voix, à ce qu'est une langue qui parvienne à porter une voix. Il y a quelque chose de l'ordre d'une douce autorité. C'est campé, c'est aussitôt incarné, et vous êtes aussitôt pris par cette voix, vous êtes aussitôt à son écoute. Et c'est ça qui est fascinant dans ce travail qu'on pourrait pourtant qualifié de diariste, mais c'est de la reconstitution fictionnelle du mode journal. C'est à quel point, avec quelle douce autorité, encore une fois, elle vous convoque aussitôt et ne vous laisse pas vous échapper. Je vais vous en lire un autre tout petit passage pour le raccrocher à un autre livre. Tu veux voir comment la matière s'est sentie seule et a fait naître la vie de son désespoir ? Assieds-toi dans ces abîmes et contemple ce qui mérite d'être contemplé, ceci est la vie. La Troisième Guerre mondiale ne sera pas telle que les gens l'imaginent. Elle verra l'humanité tout entière lutter contre les ordures, qui deviendront intelligentes et s'en prendront à nous. Nous sommes des producteurs d'ordures. Allez sur les plages, les mers et les fleuves et regardez-les grandir. Donc voilà, ça c'était un bout d'Allegria de Manuel Villas aux éditions du Sous-Sol. Et cette histoire d'ordures me fait penser à une des invités des fractions et une des très belles sorties de cet automne, le Fresh Kills de Lucie Taïeb aux éditions La Contralée, qui est en tout point un livre d'enquête à la première personne à propos de Fresh Kills, qui a été la plus grande décharge de Staten Island, une île de New York, pendant des années, décharge qui devait être temporaire au début des années 50 et puis qui a été temporaire pendant plusieurs décennies, donc monstre de pollution de tous ordres, pollution chimique, pollution olfactive aussi, et qui est en voie de réhabilitation urbaine tout à fait bien pensée, tout à fait esthétique, et ici largement problématisé par Lucie Taïeb. Le sous-titre de Fresh Kills, c'est Recycler la Terre. Lucie Taïeb, qui est poète, qui est traductrice aussi, va sur les lieux et est fascinée par cette question des ordures, attirée là par Don DeLillo, qui avait parlé de ce lieu aussi dans son magnifique roman Outre-Monde, qu'il avait décrit. Elle est fascinée par les deux aspects du lieu, hein, la décharge immense, des tas d'ordures qu'on voyait depuis le ciel par satellite, comme la muraille de Chine, paraît-il, est-il cité à un moment, et puis sa tentative de réhabilitation, avec la part d'oubli que ça suscite, et la façon qu'elle a de l'investir, de l'explorer, les problèmes que ça lui pose, et c'est celle de la langue et de la traduction en premier lieu. Et ça, c'est particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'on dit parfois qu'un auteur ou qu'une autrice raconte toujours la même histoire. Je ne sais pas si Lucie Taïeb raconte toujours la même histoire, ni même si elle nous raconte au sens propre des histoires, même s'il y a des petits contes fantastiques, enfin, des visions fantastiques qui viennent se glisser aussi dans ce récit documentaire. Je sais que qu'elle écrive un livre de poésie comme Peuplier chez Lanskin, qu'elle écrive une fiction comme Les Échappés l'an dernier aux éditions de Locke, qui lui valut le prix des plaires, ou qu'elle entame une investigation sous forme d'enquête
comme ce Fresh Kills, elle en passe toujours par des problèmes de traduction. La traductrice est celle qui unit les différentes autrices en Lucie Taïeb. Et c'est ce à quoi elle s'affaire dans Fresh Kills. C'est d'essayer aussi de se confronter à la façon dont on réécrit les lieux, dont on nous les revend, en quelque sorte, pour nous les faire accepter dans leur nouvelle dimension et surtout oublier, hein, recycler encore une fois. Donc il y a une entreprise à un moment de transcription, de décryptage des documents marketing des boîtes de green relooking de ce lieu qui sont absolument passionnants. Donc le livre est à la fois et sans cesse poétique et passionnant et très intéressant. Fresh Kills de Lucie Taïeb aux éditions de la Contre-Allée. Et ça m'amène à une autre forme d'enquête, par la traduction aussi. Camille Reynaud, aux éditions Autrement, avec ce très beau titre, « Et par endroits, ça fait des nœuds ». Qu'est-ce qui fait des nœuds? Des nœuds de synapses, de neurones. Qu'est-ce qui fait des nœuds? C'est le cerveau. Qu'est-ce qui fait des nœuds? Ce sont les circulations à l'intérieur d'un corps qui ne va pas bien. Camille Reynaud est une jeune autrice, c'est un premier roman remarquable. Jeune autrice toute fraîche diplômée du master de création littéraire du Havre et ce qu'elle raconte c'est à la première personne le choc que constitue le fait d'être sujette à une rupture d'anévrisme en 2017 alors qu'elle séjourne en Espagne et le bouleversement évidemment, dont il s'agit, le trouble en lui-même de la maladie, la façon de tenter de la capturer, de la résumer, de la décrire cliniquement. Et très vite au cœur de ce livre, le littéraire, j'allais dire, prend le dessus. Non pas prend le dessus, le littéraire est la littérature, et la littérature dans la littérature sont la seule arme qui vaille pour elle, pour essayer de comprendre, pour essayer déjà de faire face. Samedi 8 juillet 2017, urgence, premier essai, ça c'est le banc titre de ce paragraphe. Et on a une note de bas de page tout de suite assez longue qui nous dit essai, nom masculin, test, examen de solidité, de pérennité, d'adéquation, tentative. Première production de l'esprit ou de l'art qui porte sur quelques sujets, sur quelques matières pour voir si l'on y réussira, littérature. Ouvrage littéraire explorant un domaine donné selon le point de vue de l'auteur. Exemple, les essais, ainsi s'intitule l'œuvre majeure de Michel de Montaigne. Et je trouve ça très beau, évidemment remarquable et évidemment formidable pour des lecteurs aussi de nous mettre en position d'enquêteur et donc position partagée face à sa propre souffrance qu'elle-même ne comprend pas et qu'elle essaie de déchiffrer. Ça donne évidemment un texte, tissu texte très riche, en permanence nourri de littérature, extrêmement référencé, mais sans cesse, et toujours référencé, ou majoritairement référencé, à la littérature, plutôt qu'à la littérature scientifique. C'est-à-dire que son endroit d'intelligence de ce qui lui arrive et qui est une souffrance, c'est la littérature. Et d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que je l'ai lié, au Lucie Taïeb, il y a des moments absolument fascinants et passionnants de tentatives de traduction, alors de double traduction, de surcroît, comment appeler ça, de documents de diagnostics médicaux hein, sur ce qui lui arrive. Ellipse numéro 1, embolisation du 9 juillet 2017. Recomposition numéro 1, autoportrait encore nu posé sur une table. Durée de l'intervention, 4 heures, le 4 heures, le goûter. Elle essaye de comprendre ce document, encore une fois, doublement incompréhensible, hein, dans l'espagnol et de l'espagnol médical. Et ce faisant, sa tentative de compréhension du document est une recréation d'autre chose. Et là aussi, une poétique, pour le coup, une poétique d'entre les langues, ce qui n'est pas sans faire écho avec ce que j'évoquais à propos de Lucie Taïeb. Donc c'est aux éditions Autrement, c'est un premier roman vraiment formidable, et je pense qu'on va pas mal en entendre parler, en tout cas ce serait largement mérité. Je sais qu'elle est invitée à Effraction, et d'elle je vais passer à une autre jeune invitée d'Effraction, lors d'une des tables rondes,
qui est également diplômé du master de création du Havre, Tony Toucourt de Chêne Adam, premier roman aux éditions POL, que je ne saurais résumer. Ou du moins, nous sommes embarqués là, en monologue intérieur, dans la tête de Tony, avec elle, à la troisième personne pourtant, mais on est à l'intérieur. Et Tony, tout ce qui nous est donné, c'est que le soir, il y a un match, et qu'elle va aller au match, un match de foot. Donc on comprend au fur et à mesure du livre qu'elle est la fille du président du club, et donc il y a de multiples enjeux croisés dans le simple fait d'aller au match. Et c'est à la fin dans le match qu'on se rendra compte de l'importance que ça a de regarder, de participer aussi à la liesse populaire qui est un match de football au stade. Mais au-delà du pitch, parce qu'encore une fois, là, je l'ai raconté brièvement, je pense le raconter en en changeant pas mal de modalités, parce qu'on est dans le chaos d'une tête, et c'est extrêmement vivant. Tony se réveille un matin avec quelque chose entre le cœur et la gorge, hein, qui lui donne un air chagrin. Le matin, elle est sensible, c'est le matin d'un match, c'est un vendredi. Possible que Tony ait fait un mauvais rêve la nuit dernière, parce que cette chose qui est là entre le cœur et la gorge n'est pas là tous les matins. Certains matins, elle a cette chose, ce qui fait qu'elle connaît la sensation, mais certains matins, elle ne l'a pas et elle oublie que la chose existe. Tony ne saurait pas comment l'appeler, cette chose. Quand la chose est là, elle n'a plus qu'à regarder le plafond de sa chambre. Ce n'est pas tout à fait qu'elle attend, c'est plutôt qu'elle laisse la chose prendre son corps et laisse son corps se réveiller et laisse son corps se connecter avec le monde qui a beaucoup avancé depuis hier soir. Mais aujourd'hui, c'est vendredi et c'est journée de match. Elle ne fait pas vraiment le lien entre le match et le quelque chose qui est entre son cœur et sa gorge et qui lui donne un air chagrin. On n'est pas obligé de faire le lien entre les deux, mais il est possible que les deux soient liés. Là aussi, encore une fois, ça donne libre cours à l'enquêteur amateur qui sommeille en nous, à l'intérieur des pulsions et des pensées sinueuses de cette Tony. Mais c'est surtout sa voix qui est marquante avec cet entrelacement de scansion, de répétition qui instantanément l'a fait exister. Ce qui est assez remarquable, hein, évidemment, pour un premier roman, parce que dans la répétition, et notamment chez POL, il y a des maîtres, hein, je pense au grand poète de la scansion, Charles Penquin. Là, cette répétition-là, elle est particulièrement modulée, elle est par instant frénétique et puis par instant beaucoup plus lente. Sa phrase est d'une inventivité permanente, et donc ça fait de ce texte-là, quelque chose de tout à fait remarquable, de tout à fait différent, hein, de celui de Camille Reynaud que j'évoquais, mais elle est également diplômée de ce même master. Et c'est par ce lien-là que je vais passer au livre suivant, qui est toute fiction. Pourquoi ? Alors, ça peut sembler anecdotique, mais ça n'est pas tant parce que je pense que la question vaut et vaudra d'être posée sans cesse aux nouveaux arrivants, hein, sur la scène littéraire, que sont les diplômés de ces masters de création, celui du Havre, celui de Paris 8, qu'à leurs professeurs qui sont des écrivains. Le master était dirigé l'an passé par Laure Limongil et maintenant par Frédéric Forté, dont je sais qu'il faisait ou qu'il fait dans le cadre de ces nuits de la lecture un atelier d'écriture. Et puis il y a des professeurs associés, et Nicole Caligaris, autrice chez Vertical, est professeure associée de ce master. En vous parlant de ce livre, j'ai surtout démontré en quoi ça n'a rien à voir, ce qui est heureux, parce que les masters de création en France ne sont donc pas le travers qu'on impute parfois aux ateliers de creative writing à la fac aux États-Unis, c'est-à-dire des modes de fabrication un peu standardisés parfois. Ici, ce que produisent les professeurs est tellement, en tout cas dans ce cas-là, dans le cas de Nicole Caligaris, hein, avec ce carnaval chez Vertical, est tellement singulier que ça ne saurait prêter le flanc aux épigones ou à la copie. Hein, j'essaie de ne pas me masquer moi-même et me trompe toujours de côté avec le livre. Carnival de Nicole Caligaris, c'est quoi ? Carnival de Nicole Caligaris, c'est une fiction absolue. Le canevas, lui encore, tiendrait sur le canevas de départ, pourrait tenir sur un timbre-poste. On est dans une situation, on a un commercial en bout de course, usé, qui est en panne avec sa vieille DS en haut d'une route ascendante. Au-dessus d'une ville qui se situe dans un delta,
paysage de fiction, paysage générique, un mélange de sud de la France et d'États-Unis, si l'on veut, mais qui s'invente, hein, un lieu très très fort, très 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 ancré dans nos têtes tout de suite et par répétition, parce que là, le mode de répétition est très très différent. La répétition n'est pas tant dans la langue et dans la phrase. La phrase de Nicole Caligaris est ici très ample, très très extravagante parfois, mais toujours structurée. Jamais ou très rarement sur des modes de scansion tels que ce que je viens de lire. Et c'est une langue de conteuse à cet endroit-là. Donc de cette situation de départ, hein, ce narrateur qui est en bout de course, comme je le disais, parce qu'il est serré à la gorge par son employeur qui lui fait vendre des contrats d'assurance qui sont véreux. Enfin, ce qu'on comprend par toponymie. Par le fait que l'employeur en question s'appelle Ponzi. Alors tout de suite, on pense pyramide de Ponzi, et tous les noms des personnages, qui d'ailleurs changent en cours de route, hein, au cours de ce carnaval, permettent et produisent de la fiction, sont parfois référencés littérairement, sont parfois à plusieurs possibilités, si j'ose dire, notamment ce Ponzi, voilà, qui nous oriente vers l'arnaque boursière, vers la spéculation, vers la spirale de l'endettement, qui est un des problèmes auxquels est confronté ce narrateur. Mais l'autre problème concret auquel il est confronté, c'est qu'il essaie de vendre ses assurances, et ça on le comprend peu à peu, à trois jeunes en mobylette qu'il a rencontrés là. Et ça, c'est la situation qui est là dès le départ, et dont on va nous raconter l'histoire aussi. Leur histoire à eux est liée à d'autres personnages de la ville, et petit à petit nous est dressé comme ça une sorte d'inventaire social également de cette ville, dressée de toutes pièces. Hein, je ne dirais pas de carton-pâte, mais de cette ville de fiction, de cette ville générique. Ce qui est formidable, encore une fois, c'est que ce récit, tout à l'heure j'évoquais un miroir brisé, là c'est pas du tout ça. Quand j'en parle, ce livre, je me retrouve à faire des spirales, parce qu'effectivement c'est le principe. On a des motifs de fiction en spirale qui se recouvrent les uns les autres, qui s'éclairent peu à peu les uns les autres, sans que jamais exactement un poteau rose ne soit dévoilé. Donc on n'est pas tout à fait dans la littérature policière, même si Nicole Caligaris s'intéresse autant au grand moment de la littérature qu'à la littérature de genre et au fantastique. On est presque du côté du cinéma ou de certaines séries. Son éditeur, m'en parlant, évoquait souvent David Lynch. Et effectivement, sur le système de narration, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est pas seulement la fin de ce livre qui est ouverte, c'est tout. Qui est ouvert sans cesse. Toutes les options narratives sont ouvertes, et le mystère, plutôt que de se résoudre, s'agrandit sans cesse. Vous comprenez que je pourrais en parler longtemps et qu'en même temps, il est difficile d'en parler clairement. C'est juste, en tout cas, que c'est un très beau bonheur de lecture et d'absolue singularité. Et j'ai parlé tout à l'heure d'une voix de conteuse. Ça me vient aussi du fait que je ne saurais trop conseiller à vous toutes et tous d'aller un jour ou l'autre écouter Nicole Caligaris produire des performances qu'elle fait parfois avec des musiciens, qui sont des improvisations textuelles, qui me semblent être aussi une clé pour comprendre ce travail-là, enfin l'un étant la clé de l'autre aussi, ce travail d'improvisation-là, ça donne un livre comme ça. Un livre free jazz avec des motifs qui nous conduisent quelque part, mais on ne sait jamais à chaque page, à chaque chapitre, à chaque partie, où ça va nous conduire. Et une fois que ça nous y a conduit, c'est quelque chose d'autre qui s'ouvre. C'est une fiction, absolue fiction, magnifique. Mise en abîme totale du principe même de fiction. Ça s'appelle Carnival et c'est chez Vertical et ça vient de paraître en janvier. Autre fiction magnifique d'étrangeté, l'usine
Irriko Oyamada, qui est le premier roman traduit en France, mais pas son premier roman japonais, de cette autrice japonaise. Et là, pour l'expliquer, je pourrais être tautologique, c'est-à-dire que l'usine, c'est une usine. L'usine nous décrit une usine dont on ne saura jamais quelle est la fonction. Elle est quasiment métaphorique, pour autant elle est là. Le lieu est très concret, c'est une usine immense, sans fin, qui inclut des parts de nature, qui d'ailleurs inclut tout un bestiaire. Les animaux, ils sont très présents, plus ou moins en mutation, des animaux assez étranges, ragondins, corbeaux, qui se renouvellent sans cesse. Autour de cette usine immense, encore une fois, de cette usine tentaculaire, de cette usine ville, dont on ne sait jamais quelle est la fonction, mis à part que c'est l'usine. Et que c'est une entreprise apparemment importante et à succès, si j'ose dire, parce que elle nous est racontée par la voix de trois narrateurs, deux hommes, une femme, qui tous les trois sont engagés à un moment ou à un autre dans cette usine pour y travailler, pour effectuer des tâches plus ou moins absurdes. L'une est à la déchiqueteuse de documents dont on ne lui dit jamais de quoi il s'agit. Un autre jeune est engagé pour lui corriger des documents dont il ne comprend jamais la teneur ni la fonction, et d'ailleurs de très hétéroclites, et qui parfois lui reviennent avec plus de fautes, et donc il s'agit de recorriger. Donc on est dans le mouvement, on ne peut qu'évoquer Kafka hein, et ces fables fantastiques de l'absurdité de notre monde. On se rappelle la colonie pénitentiaire. Et le troisième narrateur, dont on se rend compte en cours de route qu'il est là depuis plus longtemps, qu'il y passe du temps, est employé là, puisqu'il est biologiste, pour végétaliser les toits. Et la façon dont on va le chercher en tant qu'étudiant biologiste assez brillant pour lui confier cette mission est très éloquente de ce qu'est ce livre dans sa description du monde du travail, c'est-à-dire qu'on lui donne un poste, un bon salaire, il a un logement de fonction, on lui demande de végétaliser le toit, et puis en plus, il a le temps. Et à chaque fois qu'il demande comment il peut le faire et quels sont les prestataires avec qui il pourrait travailler, on lui dit, oh, on ne sait pas, mais vous avez le temps, prenez le temps. Et bon, d'une part, c'est ça, hein, c'est-à-dire l'injonction absolument non identifiable que constitue le travail dans sa fonction morale même, le travail du récit. Il a le temps, et effectivement, ce personnage-là, on se rend compte en cours de route que le temps a passé sans qu'on le voie et sans que lui-même sans doute le voie, un peu à la façon du désert des Tartares, de Dino Buzzati, c'est-à-dire où un personnage, à force de routine, se rend compte qu'une vie entière est passée. Alors là, ce n'est pas forcément une vie entière, mais quand même un certain nombre d'années, alors qu'on pensait être dans l'instantanéité de sa découverte de l'absurdité de sa mission. C'est extrêmement beau, c'est une fable fantastique, et en même temps, de façon évidemment métaphorique, comme toute belle fable, ça nous passe quelque chose de très fort sur ce qu'est le travail, et encore une fois, l'injonction qu'il constitue. Et ça ne peut pas ne pas m'évoquer, parce que en confinement, vous comprendrez bien que Hiroko Yokamada n'est pas invité à Effraction, par exemple. Les auteurs étrangers, c'est un peu difficile de les rencontrer en ce moment. Par contre, je vais vous citer un peu plus rapidement deux livres de la rentrée d'automne, hein, parus cet automne, qui seront deux invités d'Effraction et qui sont des livres avec une position a priori plus documentaire dans la fiction, et qui nous raconte le travail. Le travail et ses injonctions absurdes, encore une fois. C'est lié à la vie, c'est lié à Lévi, la tannerie, aux éditions Tristram, et Thomas Flahaut, les nuits d'été, aux éditions de l'Olivier. Ici, il s'agit du travail industriel et des travailleurs frontaliers, donc jeunes gens, aux alentours de la Suisse, qui sont là pour... c'est fort symbolique aussi, pour démonter une usine. Donc, toute autre réalité hein, que la fable de l'usine de Oyamada est parti pris assez réaliste, excellemment mené avec une insertion de rapports sociologiques tout à fait palpitantes. Palpitante n'est pas le terme, enfin, en tout cas tout à fait réussi, qui forme un tissu textuel remarquable. Mais quand je parlais du fantastique, je me suis rappelé de quelque chose qu'il y a dans Thomas Flahaut, c'est la présence extrêmement forte
extrêmement animal des machines la nuit dans l'usine, machines qu'ils doivent éteindre pour qu'elles soient expédiées on ne sait pas où, ailleurs. Et puis, c'est Léa Lévy, la tannerie, là aussi, alors que encore une fois, on est dans, voilà, dans un gros livre très documentaire, très documenté, qui se situe totalement ailleurs que cette fable fantastique, puisqu'on est plutôt dans l'éducation sentimentale au sens propre et figuré, c'est-à-dire que le livre cite au second degré Flaubert et évidemment situe cette jeune provinciale qui monte à la ville pour essayer de s'insérer dans le monde du travail et du travail culturel, dans cette tannerie qui est un lieu générique mais qui ressemble parfaitement au lieu et aux institutions de fabrique culturelle qui poussent dans d'anciens lieux industriels réhabilités, va essayer de trouver sa place. Et donc c'est d'abord un roman de formation, il est très beau à cet endroit-là, mais les lieux, plusieurs lieux, Paris, ses alentours, il y a de très belles promenades dans l'alentour de Paris. La tentative d'appréhension de ces lieux-là par cette jeune femme qui essaye socialement de trouver une place, mais la tentative de traverser des lieux, la tentative d'appréhension, encore une fois, de ces lieux qui lui sont tellement étrangers, inconnus, me fait faire rapport avec ce livre-là. Enfin, en tout cas, toujours est-il que c'est une masse passionnante, qui est un roman, hein, donc hop, il se lit comme un roman, mais qui est à la fois extrêmement documentaire et très fluide, donc qui permet de réinterroger par le traitement romanesque les thématiques qui lyrique documentairement. Ça s'appelle La Tannerie de Céia Lévy et c'est aux remarquables éditions Tristram. Éditions Tristram qui, dans cette rentrée de janvier, font paraître encore un premier roman absolument, j'allais dire, stupéfiant, frappant. Frappant comme un service de Raphaël Nadal. L'avantage, c'est un livre, comme la couverture le montre bien, hein, où il est question de tennis, hein, il est question de jeunesse aussi. Le narrateur avec lequel nous cheminons s'appelle Marius, il a 18-20 ans, il fait des tournois de tennis dans le sud, ça pourrait être la Dolce Vita, puisque c'est la vie facile a priori, il enchaîne les tournois de tennis en étant logé chez un pote qui a une belle maison dans le sud de la France, et puis il vit de fêtes et de badinage avec la sœur de son pote, donc le Cédric en question, qui est tout à fait sympathique et séduisant. Donc il y a du flirt à cet endroit-là. Et cette douce vie est pourtant extrêmement inquiétante dans la manière dont on la traverse, embarquée dans ce narrateur. Je ne peux que vous référer vers le remarquable article que Christine Marcandier en a tiré sur Diacritique, qui est tout à fait creusé sur cette question fascinante dans ce livre de réalité et d'irréalité. La première phrase incipit du livre, comme Christine le disait dans son article, c'est « Je n'arrivais pas à exister ». Et ça détermine toute la présence-absence de Marius dans ce livre-là. Il est là, et en même temps, il n'est pas là. Et en même temps, en étant là et pas là, il est de façon extrêmement frappante. Il est symbole de la jeunesse. Il est la jeunesse même. La façon dont la jeunesse est sans mémoire et sans devenir. La façon dont la jeunesse est tout entière plongée dans l'instant présent, mais parfois ne parvient pas à le conscientiser en quelque sorte. Là, ce qui nous est raconté par le biais aussi du tennis, et j'en viens au tennis, au-delà de l'ennui de cette Dolce Vita dans le sud de la France que Marius semble traverser comme un fantôme pourtant là, c'est particulièrement le cas pour les matchs de tennis qui sont magistralement décrits, donc ça intéressera évidemment celles et ceux que ce sport intéresse, ça pourra aussi intéresser celles et ceux que ce sport rebute, c'est-à-dire que l'écriture du fait sportif, c'est quelque chose d'assez difficile, parce que très souvent c'est connoté, très souvent c'est plein de références pour celles et ceux que ça intéresse déjà. Là en l'occurrence, tout nous est expliqué avec simplicité, puisqu'on est dans la tête de Marius et que lui-même ne conceptualise pas, hein, lui-même d'une part frappe, joue, vit le match et nous raconte comme il le vit. Et ce
qui est paradoxal et assez fabuleux et fascinant, c'est pendant toute la première partie de ces tournois où il passe inlassablement les tours, il finit toujours par gagner, il finit toujours par y arriver, parfois à l'usure, parfois par la ruse, donc dans des modalités de match différentes, il semble ne pas être tout à fait là. Et c'est absolument fascinant. Il n'est pas tout à fait là, puis il est là quand même. Et c'est sans doute un paradoxe aussi propre à ce sport-là, à la jeunesse, je le disais, mais aussi à ce sport-là. Et c'est très beau de lui avoir ainsi rendu hommage. Donc, j'insiste, hein, ça passionnera toutes celles et ceux qui ont déjà regardé un match de tennis, qui ont déjà joué aussi, et qui ont été parfois saisis par ce mélange d'excitation et d'ennui étrange que nous produit le tennis. Qui même lors d'un match passionnant par sa dimension la façon dont le score est compté fait que le temps a une espèce d'importance très particulière qui est très très bien rendue ici hein, d'où le temps, l'usure et la psychologie. J'en fais pas plus sur le tennis, c'est surtout que cette écriture a la conscience d'un corps finalement hein, d'un corps à mouvement jeune et plein de santé qui ne sait pas exactement ce qu'il fait là est absolument fabuleuse et fascinante. C'est vraiment un premier roman frappant. Donc Thomas André, L'Avantage aux éditions Tristram. Autre livre frappant, je vous en lis un tout petit passage pour éviter les prolégomènes. Ce soir-là, nous marchions en silence, laissant échapper un rire quand l'une de nous se trompait dans le jeu des doigts. Puis ma mère se mit à parler du clapotis des vaguelettes, si doux à mes oreilles. À ses oreilles. Si j'étais un bruit, je serais celui-ci. Écoute-le bien. Il annonce la fin du monde d'une façon si modeste. C'était dit dans un murmure. Il nous rappelle qu'on était des poissons. Écoute de très près ce que les vagues nous disent. Nous étions assis sur le sable mouillé. Elles nous préviennent que bientôt, elles nous emporteront. La terre nous a asséché le cœur et nous mourrons de soif. Nous redeviendrons des poissons, ma chérie, et nos douleurs s'évaporeront dans la mer qui nous a enfantés. Écoute ce bruit. Il n'existe pas un son, pas une musique qui dépasse en beauté ce clapotis des vagues de la plage de Saint-Clair. Donc celle qui parle à ce moment, c'est la mère de la narratrice, la jeune Agathe, dans ce roman de Nathalie Kuperman, « On était des poissons » chez Flammarion. La jeune Agathe est nantie et pourvue d'une mère, qu'on dira, folle pour aller vite. En tout cas, assez décalée, c'est le moins qu'on puisse dire, qui l'a sortie du collège en une semaine avant la fin, parce que la jeune... C'est pas encore une jeune fille, c'est une préado. Regrette hein, Agathe, puisqu'elle n'a pas pu dire au revoir à ses copines. Et elle se retrouve dans le sud de la France, dans un hôtel qui est une sorte de pension de famille où la mère a des traces. Pension de famille dont la tenancière a connu la mère et ses aïeuls. Et on nage dans quelque chose qui parfois touche au fantastique par son inquiétude, par le rapport à la nuit, puisque cette mère est défaillante, en tout cas, c'est le terme que je cherchais tout ailleurs, ça c'est sûr, dans ses missions, elle est défaillante, elle abandonne sans cesse sa fille. Elle abandonne sans cesse sa fille pour autre chose, et puis quand elle est avec elle, elle est trop prégnante. Enfin, en tout cas, elle ne sait pas doser. Il y a quelque chose de tragique qui est inscrit d'emblée dans ce personnage, et puis ça passe par ce rapport aux animaux, hein, les poissons qui sont évoqués, c'est très très beau métaphoriquement, ça peut aller voir plus loin aussi hein, sur notre rapport à l'environnement. Et la mère, elle parle toujours par image avec tout un bestiaire qui est convoqué mal à propos souvent. Elle a des tortues dans les jambes quand elle a mal aux jambes, etc. Elle est, je disais, décalée, sinon désaxée. Elle est parfois très violente, très cruelle avec sa fille. Et j'ai commencé par la douceur, par vous lire ce passage dans sa grande beauté, parce que ce qui est assez miraculeux avec ce livre-là, c'est que ce qui pourrait être une traversée absolument traumatique, hein, de quelque chose de très angoissant et triste, et parfois injuste et révoltant, est d'une grande douceur. Et ça, elle y parvient par le miracle de la phrase, hein, par l'attention aux choses, par l'attention à cette mère, quelle qu'elle soit et quels qu'en soient les tares et les vicissitudes. Et donc, c'est un très beau livre de cette rentrée également. On était des poissons de Nathalie Kuperman chez Flammarion. Autre très beau livre de cette rentrée,
Les orages, recueil des nouvelles de Sylvain Prudhomme, qui sera à Effraction, Sylvain Prudhomme, dont on avait envie qu'il soit là dès l'année dernière. C'est un recueil de nouvelles, et ce sont des nouvelles parues à droite à gauche dans des revues. La qualité de ce recueil de nouvelles-là, la qualité première, ne sera pas celle qu'on prête souvent à des recueils de nouvelles pour nous dire oui, c'est un recueil de nouvelles, mais c'est un recueil d'une grande cohérence. Les nouvelles sont toutes liées. Parfois, on vous dit non, ce ne sont pas des nouvelles, c'est un roman, alors que ça semble être des nouvelles, pour en quelque sorte justifier littérairement ce genre dans une France qui est sérieusement rivée au roman. La nouvelle, c'est difficile à appréhender, c'est difficile à lire. Parfois, un recueil, on laisse de côté, on y revient. À quel rythme lire ça, on ne le sait pas toujours. Et celui de Sylvain Prudhomme, je l'ai lu d'une traite. Sans que ces nouvelles soient reliées les unes aux autres. Elles sont parfois très fictionnelles, parfois beaucoup moins. Il y a des narrateurs qui sont différents, des problématiques qui reviennent, qui sont celles de la crise finalement, la crise de conscience, ces moments importants dans une vie avant ou après le drame, après que quelque chose qui n'est parfois pas un drame se passe, quelque chose d'important. Je ne vais pas relire ce passage parce que le temps tourne, mais vous pouvez le retrouver dans une autre vidéo par ailleurs. Une des nouvelles, par exemple, c'est un enterrement où un narrateur se rend avec ses parents, parce que s'il s'agit d'une vieille tante, en gros, et il se retrouve sur... Non pas à la place du mort, il y a une superbe réflexion sur la place du mort, ce qu'est la place du mort, ce qu'on nomme la place du mort et qui est mal nommée. Mais il se retrouve à l'arrière de la voiture avec ses deux parents devant et configuration, alors que ce narrateur a une quarantaine d'années, qui le ramène dans l'enfance puisque évidemment elle ne s'est pas produite depuis l'enfance et dont il sait au moment où elle se passe que certainement elle ne se produira plus jamais. Et donc on est avec cette réflexion sur à la fois la place du mort hein, et la mal nommée place du mort. Il appelle ça la place du mieux classé pour mourir, mais pas du déjà mort. Dans un item, un motif qui est sous-tendu tout au long du livre, qui est quand même une présence un peu plus marquée que d'habitude dans les livres de Prudhomme, de la mort. De la mort et du rapport qu'on entretient à cette finitude-là. Donc ça lui donne quelque chose de grave, souvent, évidemment avec toute l'empathie et la douceur qui sont ce qu'on aime beaucoup chez Sylvain Prudhomme, hein, mais c'est du coup, à mon sens, moi qui suis lecteur de l'ensemble de son travail, un de ses livres majeurs et pas du tout une compilation d'à côté. Donc ça s'appelle Les Orages et c'est dans la remarquable collection L'Arbalète de Gallimard. On arrive au bout, je vais très bientôt finir. Je vais nommer quelques livres rapidement dans les dernières minutes. Parce que ce qui est intéressant avec la littérature, le réel et cette position d'enquête, c'est comment des thématiques a priori très ordinaires peuvent être problématisées de façon extrêmement différente. Par exemple, il y a deux livres très différents en cette rentrée qui questionnent tous deux l'abandon, l'autre abandon, hein, pas celui de la mère défaillante dans le livre de Nathalie Kuperman, mais l'abandon naturel des enfants lorsqu'ils quittent le nid ou le foyer et des positions de mère qui se retrouvent seuls après que les enfants grandissent, s'en aillent. Donc c'est celle autodocumentaire de... Ah, j'y arriverai pas. Autodocumentaire de Sandrine Roudex dans Ce qu'il faudrait pour voler. Aux éditions du Passage, où à la première personne, elle s'interroge et retrace encore une fois une vie entière d'un jeune homme quand il s'en va. Et puis, c'est la remarquable structure romanesque de Alexandra Matine dans ce premier roman encore qui s'appelle Les Grandes Occasions aux éditions Les Avrils, où une mère, Esther, dont on sait dès le début qu'elle va mourir tragiquement, attend un peu avant cet événement. Attend ses enfants pour un repas familial et c'est une grande traversée de ses attentes, de ses espoirs déçus et d'une histoire familiale avec un prisme qui est
totalement inattendu et magistralement mené. Donc, Les Grandes Occasions d'Alexandre Amatine aux éditions Les Avrils. Et puis cela, voilà, je ne fais que les citer rapidement. Mais façon de raconter une vie, alors Tove Jansson, La fille du sculpteur, cette grande autrice jeunesse, est aussi une autrice non jeunesse que les éditions canadiennes La Peuplade nous font découvrir depuis quelques années. Et là, La fille du sculpteur, c'est inspiré de sa propre enfance dans une île nordique au début du XXe siècle, avec des parents qui ressemblent aux siens, mais elle nous le raconte comme une suite de fables ou de nouvelles fantastiques. Donc on est totalement à revers du parti pris autobiographique de chez Sandrine Roudex, et voilà, conseil au passage, c'est magnifique. Je parlais tout à l'heure de Jablonka, et là aussi il y a du commun dans ce livre qui sort la semaine prochaine de Sacha Stanisic, qui s'appelle, le titre complet, Origine, aux éditions Stock. Où cet auteur né en Yougoslavie et installé en Allemagne nous raconte toute une vie et toute une famille par le biais notamment des documents d'état civil et par le biais de ce qu'ils ont dû endurer pour les tests de passage pour être des migrants en Allemagne. Ça sort début février et c'est, j'ai plus le temps de vous en lire, mais il y a une langue qui là encore est tellement délicieuse qu'on ne peut pas ne pas s'y embarquer. Un peu plus tard en février, on parlait tout à l'heure d'embarquer, hein, de subjectivité. De subjectivité journalistique. Joyce Sormans, c'est une autrice qui a publié pas mal à l'Arbalète, qui sort à La Folie chez Flammarion, et c'est une enquête à la première personne dans des hôpitaux psychiatriques. Elle est remarquablement rouée depuis le début de son travail à cette position, elle, de distance pour recueillir une parole autre, et c'est quelque chose que j'attends. Il n'est pas encore paru, moi-même, je ne l'ai pas encore entièrement lu. Que j'attends avec impatience. Ça s'appelle « À la folie » de Joyce Sormans chez Flammarion. Et puis, le petit plaisir pour la fin. Voilà, mon grand plaisir du mois de janvier. Je pensais au départ le relier avec le Rivas par leur différence. Hein. J'ai parlé de Manuel Rivas tout à l'heure. Par cette façon qu'ont des hommes astringents, hein, c'est-à-dire ayant passé les 55 ans et d'une grande élégance, comme l'expliquerait très bien l'autrice japonaise Ryoko Sekiguchi. Astringent, c'est du japonais, et Sekiguchi a beaucoup écrit là-dessus. Olivier Cadio fait sortir Médecine Générale, qui serait encore une fois, nous dit-on, un vrai roman d'Olivier Cadio, sauf qu'un vrai roman d'Olivier Cadio, c'est toujours une fausse pièce de théâtre, et c'est toujours un roman d'aventure tronqué, et c'est toujours une expédition métaphysique et intime absolument étonnante. Alors je pensais par jeu, hein, de provocation, le lier au Rivas, parce que Cadio se fait aussi léger a priori que Rivas est grave, et pour autant les deux sont toujours extrêmement convaincants et extrêmement campés sur leur langue. Olivier Cadio lira bien mieux que ce que je ne vais vous lire. A lu d'ailleurs dans Hors Piste du Centre Pompidou plusieurs extraits de Mécanique Générale. Alors je crois que Laurent Poitrenaud y a participé. Donc je vais vous lire un passage pour le plaisir et de façon beaucoup plus informative, parce que quoi de mieux que entendre Cadio, lire Cadio. Mais on ne peut pas l'expliquer, Cadio, et d'ailleurs peut-on l'expliquer, ces rapports du macro-micro sans cesse, ces rapports de sens. Extrêmement fugitif et puissant, cette obsession dans les livres de Cadio de tout saisir du monde à toute vitesse et d'en faire une sorte de panorama qui soit un lieu de calme. Donc cette tension a priori paradoxale, hein, je parlais tout à l'heure de légèreté et profondeur aussi, c'est également ce qui fait le charme absolu de Cadio, et ce qui fait que dans sa phrase vous le suivez, vous êtes pris par la main dans un grand sourire, c'est du coup fourmillant de renversements, je parlais de métaphysique tout à l'heure, de renversements réflexifs, de renouvellement de la pensée sans cesse, et de l'imaginaire et du rapport au monde réel. Je vous lis un petit passage d'une conversation avec Mathilde, hein, qui est une des héroïnes du livre. Ils discutent et ils marchent à la campagne avec le narrateur.
Si on a seulement un morceau de carte comme ça, pense à Mathilde, on va avoir du mal à retrouver la maison. Et si on appelle au secours, zéro réponse. Personne ne connaît. Ça doit être sur un autre morceau. Les noms ont beau être familiers, ce n'est pas ça. On interrogera plutôt un satellite pour voir. Vue des étoiles. Je n'ai plus de vue d'ensemble. C'est un peu comme la cendre que l'on répand dans les bois pour retrouver son chemin. Ce n'est pas une bonne idée. Mieux vaut semer des graines, comme on l'explique bien dans les contes. Au retour, ce sont des arbres, on n'a qu'à suivre l'allée. Il faut penser à ne planter qu'une seule essence pour ne pas risquer de se retrouver dans une forêt incompréhensible. Ça va vous sembler un peu bizarre de dire ça, mais l'endroit, le vrai, il me semble qu'il est dans la carte. C'est ridicule de formuler ça comme ça, mais bon, disons que pour moi, ce n'est pas un vrai endroit d'aujourd'hui, en couleur de maintenant. Cela ne le sera jamais. C'est inactualisable, cette maison. Ma vie ici est inactualisable. Il faudrait que je la hante, cette maison. Un bon moyen pour revenir et pour virer les fantômes en étant la nouvelle locataire. Les battre sur leur propre terrain, devenir plus fantomatique qu'eux et prendre leur place. Voilà ce que je vais leur raconter. Ce n'est pas la maison de maintenant où nous sommes, enfin le maintenant à peu près de Google. On verra éternellement sur le site se promener le même personnage flouté avec un sac à dos bleu ou la voiture de Madame Duc garée devant le portail pour livrer les canards le jour J ou une camionnette photographique venue d'Amérique est passée sur la route. Certains lieux sont en été, d'autres en hiver pour toujours. On peut voir le paysage de haut. Voilà, le retournement du rapport à Google Earth par ce prisme-là, du fait qu'effectivement Google Earth nous donne des bouts de paysages qui sont en été, en hiver, une espèce d'inactualité qui devient une fabrication, une fiction, une espèce de nouvelle image et de nouvelle éternité. Tout le paradoxe du monde impossible à saisir qui obsède Cadio et dans lequel il nous projette en permanence en nous produisant de nouvelles images sans cesse renouvelées, c'est l'immense charme de cette médecine générale qui est, voilà, si je devais en choisir un du mois de janvier et pas seulement par habitude parce que je suis client, mais aussi si vous ne le connaissez pas, allez découvrir Cadio et cette inventivité stupéfiante à tout sens du terme est tellement joyeuse, même quand elle touche à la mort et à l'absence et à la profonde mélancolie. C'est une joie d'être au monde, même quand on n'y comprend rien. C'est un peu ça, Cadio. Et même quand on n'y comprend rien et que même en essayant de tout comprendre, on comprend encore un peu moins, ce qui ne diminue pas, c'est la joie de le lire et la joie de nommer les choses du monde. Voilà, Médecine Générale, c'est aux éditions POL d'Olivier Cadio. Encore une fois, je n'ai pas été exhaustif, mais à côté de moi, ça fait un tas qu'on verrait presque à l'écran, donc qui fait 60 bons centimètres. J'espère vous avoir donné de quoi aller retourner encore chez nos amis libraires pour faire des provisions en cas de reconfinement. Bref, je ne veux pas augurer du pire. J'en ai presque fini. Oui, j'en ai fini pour ainsi dire. Juste vous dire que la nuit de la lecture à la BPI, ça continue à 17h et 18h aujourd'hui. 17h pour un atelier de dessin et 18h avec le grand Hervé Le Tellier, prix Goncourt, pour une conférence qu'on attend avec délice. Une conférence animée, donc c'est un dialogue plutôt, avec Raphaël Léry, journaliste au Monde. Pour ma part, j'en ai fini. Je vous souhaite un bon week-end. Vous avez le temps de vous précipiter en librairie avant le couvre-feu pour acheter tous ces livres, ou au moins un. Voilà. Merci à la BPI, merci à toutes et tous de votre attention. Bon week-end à toutes et tous, et bonne nuit de la lecture, et à bientôt. Yeah.